Mon histoire s'appelle Sandrine, raconte la vie d'une héroïne silencieuse, mais lumineuse, comme nous en connaissons tous, et qui transforme ses épreuves en victoires. Au cours du bal du 14 juillet, Sandrine rencontre Alex. Elle a 17 ans, il en a 30, et elle en tombe irrémédiablement amoureuse. Dès la première nuit, tous les signaux se mettent en place pour lui intimer de fuir cet homme. Mais Sandrine ne veut rien voir. En quelques mois, elle devient virtuose du déni. Un après-midi de chien, les médecins lui annoncent qu'elle doit faire un choix aux conséquences irréversibles. L'onde de choc lui ouvre enfin les yeux. Mais comment éradiquer un destin qui se répète? C'est justement ce que raconte mon histoire. Alors, mon roman parle des origines, du désir de fonder une famille, du déni, de la résilience, de la violence, de l'amitié, de l'amour aussi, mais surtout de cette petite flamme que nous avons tous en nous et qui ne demande qu'à être rallumée pour changer nos vies. Mon histoire s'appelle Sandrine.